tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo. Je voulais vous montrer une de mes autres activités, oui encore une. Je vous avais montré l'autre jour du canevas que je faisais. Et je vous disais que la broderie avant j'en faisais et que j'en faisais plus à cause de mes yeux. Et là, j'ai retrouvé dans mes tiroirs une toile avec, donc c'est une toile Aïda 6, donc qui est assez quand même, qui a des trous quand même assez larges, donc qui est un peu plus visible pour broder, parce qu'avant je brodais sur du lin ou sur de l'étamine. Donc là c'était très très serré et là maintenant ça c'est plus la peine. Donc j'ai repris un peu la broderie depuis une semaine et je voulais vous montrer ce que je faisais, voilà. Donc la vidéo va pas durer très très longtemps, hein. Je crois qu'elle dure un petit quart d'heure et juste pour vous montrer du coup la broderie que j'ai mise en route, voilà, pour me changer un petit peu. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous brodez, par exemple. Puis, qu'est-ce que vous aimez broder? J'aimerais bien savoir si vous en faites. Voilà. Et puis, si vous aimez, je vous montrerai l'évolution de cette broderie, parce que là, elle va être vraiment très grande. Elle est facile à faire, mais elle est très grande. Elle est sur 45 sur 80 cm, à peu près environ. Donc elle va être quand même assez longue à faire. Mais bon, j'ai le temps. donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça en plus de mes autres loisirs, de mes autres activités que je fais. Alors je vous laisse visionner, puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, pareil, j'y répondrai sans aucun souci. Et puis des petits pouces bleus si ça vous a plu. Voilà, allez, je vous laisse visionner et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.